Tous les vendredis soirs, 8h, sous Fort Diaspora TV, les étoiles de la semaine, portent lumière sous politiciens, leaders communautaires, artistes, à toute institution, au soir fait marquant de l'actualité en Haïti ou en diaspora. Les étoiles de la semaine, Chita sous trois roches d'effet, politique, les points forts de l'actualité, sociale, activité qu'a brassé dans parmi haïtiens, culturel, bonjour nouvelle sous Atisio. Chaque vendredi soir, 8h, ou écran, ti-écran, branché au sous Fort Diaspora TV avec Roupi The Entertainer, les étoiles de la semaine, pour tes lumières. Zami et téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les étoiles de la semaine qui présentait tous les vendredis son émission à travers laquelle nous font coup d'œil sur ce qui a passé dans la communauté haïtienne, en Haïti ou diaspora, au niveau culturel, au niveau social ou bien au niveau politique. Toujours aujourd'hui, dans l'étoile de la semaine, nous gagnons deux informations que nous allons partager avec vous. Une là-dedans, c'est une étoile haïtienne qui a pu briller dans le monde du cinéma international. Il s'agit du jeune cinéaste haïtien qui s'appelle Samuel Suffren, qui gagne un nouveau film qui paraît sur le marché et qui déjà arrivé sélectionné pour participer à un festival aux États-Unis d'Amérique. N'a venu avec plus de détails et puis devant dans l'émission journée aujourd'hui. Et puis dans la deuxième partie du programme, non, nous allons parler de célébration fête Noël avec célébration fin d'année 2023 pour l'ouvrir 2024 qui était célébré dans Casa Champêtre récemment. Côté que Ambiance Creole Jazz Band te réuni en pile grand musicien haïtien. Parmi là, Yolubert Chancy, nous te gagnons également et Claude Marcelin, nous te gagnons Robert Charlot, vraiment, il y a un bouquet d'excellents musiciens haïtiens, des étoiles, nous capables de dire, de la musique haïtienne qui t'a brillé dans Casa Champêtre semaine dernière. Nous t'es là, nous parlons vivre un reportage complet concernant comment ça t'est passé. Nos amis téléspectateurs, c'est deux informations ça, qui sont listes nous, jeudi, dans l'émission Les étoiles de la semaine. Nous prenons pause, nous retournons. Opération Grâce pour Haïti. T'as rien fait songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord à 1 dollar par semaine, soit 52 dollars par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mété infrastructure solide capable d'une réalité pour pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle yon ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien et restauration dignité pays d'Haïti. Pour bail contribution PAO ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relayez dans 908-560-2017. Parmi les fois qu'on est que c'est dans 15800, Pines Boulevard, ensuite 304, Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center, pour la Buy Service Tax Resolution, pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis, le 954-362-5199, pour casser un rendez-vous, dépôt à recevoir une lettre de IRS, qui a demandé règlement taxe, le 954-362-5199. Pierre Philanthrope, de plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté client devant IRS, lié un master degree en loi of Taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pingo Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert en taxe qui est capable d'amender tax return qui pas correct, ni qu'à préparer taxi en retard, ni qu'à aider au gérer TaxLink, TaxLevy, Innocence Pass Relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, ou soyez un monde qui file taxe dans la communauté et vous avez un ou plusieurs clients qui sont capables de faire taxe très compliqué, vous avez Pierre Philanthrope. Dans 954-362-5199, la PDO gérée. Pierre Tax Group, 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website piatax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résout pour cadomi de tout repos.
Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954-765-6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou quatre classes, relevez pour plus d'informations dans 954-765-6919. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise les et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Nous apprécions les amis téléspectateurs qui ont été branchés lorsque tête droite n'a pas entré dans le vif du sujet que nous retenons dans l'émission Jeune Jodien comme première information. Il s'agit d'une étoile haïtienne qui a fait briller dans le monde du cinéma international. Côté que nous prenons le palais du jeune cinéaste haïtien Samuel Suffren, qui a un film qui est récemment sorti sur le marché et qui déjà arrivé sélectionné pour participer à un festival international dans le pays des États-Unis. Plus de détails à travers ce reportage. Le film des rêves en bateau de papier du jeune cinéaste Samuel Suffren a été sélectionné à la 40e édition du Festival du film de Sundance, qui est le principal festival cinéma américain indépendant qui a déroulé, sorti 18 pour l'ouvrir 28 janvier 2024 dans Utah aux États-Unis d'Amérique. Ce projet a été sélectionné dans la catégorie court-métrage. Sundance fait partie de plus grands festivals du cinéma du monde. Moins content en pile et moins fier que film est arrivé sélectionné, c'est ça que déclaré Samuel Suffren dans une interview que le Tebaye a journal en ligne qui portait nom Juno 7. Ce court-métrage est cependant en compétition avec d'autres projets. C'est ça que indiquait le réalisateur haïtien Samuel Suffren, qui profitait entre vulis pour le capable raconter l'histoire de ce film. En gros, le film raconte l'histoire d'un citoyen haïtien qui a rêvé rentrer aux États-Unis d'Amérique. Nommé dans la catégorie des courts-métrages internationaux de fiction, Samuel Suffren espérait qu'il soit capable de toucher le plus large public possible. Li fait qu'on ait que pral gagné un prix du public, li espérait que dans la catégorie ça, li capable remporter puisque en pile moun a capable voter. N'a signalé que le film de Samuel Suffren n'est pas le seul film haïtien qui a été retenu à ce festival. N'a signalé que le film qui s'appelle Kidnapping Incorporated, lui-même tout, qui est un projet haïtien, rivé sélectionné dans le festival. D'après toute information, nous rivé joindre. N'a fait connaître que le festival du film de Sundance, qui porte le nom Sundance Film Festival, c'est un festival du cinéma américain qui a promoté des films indépendants. C'est un festival qui est créé dans le mois d'août 1978 par Sterling Van Wagenen, menomé avec John Earle, avec Cyrina Catania. Il y aurait le festival là, Utah US Film Festival, c'est non ça que le gain l'a fait déraper, mais je ne j'ai dit, l'hypothénon Sundance Film Festival. Le festival se déroule du 18 au 28 janvier 2024. Deux films haïtiens sont partie prenante, Kidnapping Incorporated, avec des rêves en bateau de papier du jeune cinéaste haïtien Samuel Suffren. Non pas M. Woupi, pour RPTV.
Avocat Fester Pétion et son équipe. T'arrive fort songer que le parler pour gérer toute cas légal qu'à bord tracas, accident machine, vip tombé dans le travail, le mort derrière de la loi, arrestation pas comprendre, c'est relé maître Fester Pétion, 954-404-7496. Pas occupé zot qui pas parler langue pao et qu'à promettre la communion sans confession. Relé maître Fester Pétion qui saute reporter victoire légale plus passer 2 millions de dollars pour année 2021. Sans compter tout un palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années. Relé 954-404-7496. Puis en consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans Claim Adjuster, assurance, médical malpractice, property damage, maison privée, coût business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que Maître Fester Pétion, c'est un membre actif de Million Dollar Advocate Forum pour bon service avec victoire K plus passé 1 million de dollars. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient dans la vie aux solutions normales sans te faire mal, avec Office Avocat Maître Fester Pétion, qui est dans 19790 West Dixie Highway, suite 701 Aventura, Florida, en face Aventura Mall. Téléphone 954-404-7496. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h du matin à 6h du soir. Le samedi, sur rendez-vous, fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, c'est victoire garantie dans tout cas légal qu'à votre cas. L'émission du jour, les étoiles de la semaine se poursuivent, amis téléspectateurs. Ils nous traversent dans célébration fête Noël, célébration finissement année 2023, célébration dérapée année 2024. Côté que week-end dernier, dans Casa Champette, sous initiative Ambiance Créole Jazz Band, t'es gagné une belle soirée pour célébrer les fêtes de fin d'année et la Noël. Dans soirée ça, t'es gagné des étoiles de la musique haïtienne qui t'a brillé. Nous avons cité pour vous Claude Marcelin, nous avons cité Robert Charlot, un excellent keyboardiste haïtien, nous avons cité également le maestro Loubert Chancy. Enfin, mes amis téléspectateurs, il y a un kyriel de grands artistes haïtiens qui t'a brillé dans Casa Champette, week-end écoulé. Nous t'es là, il y a un reportage pour le faire vivre tout ça qui t'est passé. C'est samedi 23 décembre qui s'est passé là, dans le local restaurant Casa Champette de Pembroupin, c'est à Floride, que Ambiance Creole Jazz Band te cassé rendez-vous avec Melomanio pour célébrer fête Noël avec nouvelle année 2024 là. Après quelques paroles bienvenues et puis tout quelques bons blagues qui t'ont motivé audience là, maître de cérémonie soirée à Rupidi Entertainer t'a introduit à tis chanteur guitariste Rose Charles qui vit dans le pays Allemagne, mais qui était là pour t'es capable de partager avec audience là des chansons traditionnelles de la Noël qui t'es bail nostalgie la caille. Puis devant, mégastar de la musique haïtienne, Claude Marcelin avec Robert Charlot, t'es poté en pile plaisir avec des chansons du bon vieux temps, parmi yo Love to Love You. Quant à maestro Loubert Chancy, qui t'est invité surprise soirée, il t'est interprété avec Ambiance Creole Jazz Band des chansons hit du Scacha No. 1 qui t'est arrivé sous Melomanio. Musicien Ambiance Creole, pas de manquer opportunité, puis t'es capable de rendre hommage mérité à Jean-Michel Saint-Victor alias Zouzoul, récemment décédé dans le moment interprétation musique Caroline. Soirée, t'es fini avec qui est content pour tout le monde qui t'est présent. Ambiance Creole Jazz Band fait moun danser jusqu'à 3h du matin. Après fête là, Kek Meloman, t'es dans le micro, RP TV. And I'm very satisfied. Qu'est-ce que t'es pire en fête là, soeur? Everything. Qu'est-ce que t'es everything là? Ambiance Creole Jazz Band t'es joué, qui musique t'es pire en par exemple? Wow, bah pas de sujet musique, parce que je joue toute musique. Pourquoi t'as dansé musique bien rate là? Est-ce que musique ça t'es bon pour vous? Musique classe là. Il y a deux musiques classiques, je joue ces musiques pam. Donc, on fait comme ça, ou on toujours voulu vous venir là-dedans? Oh, définitivement. That's a beautiful party. Well done. I like it. It was nice. Qui sont des pyramides? You know, they have Zafé music that I like. And class. I just love music. Every music. New look, class, Zafé, you name it. So, ambiance qui a été bien joué pour vous, soir. Yes, yes, everything was beautiful and I enjoy it. Zami téléspectateurs avec Michel qui sont dans belle fête ambiance qui là. Michel, comment tu as fait la soir? Oh, magnifique. Je passe un agréable moment. Un seul regret que je que Aubry parle Haïti là-bas, je vois ta témoignage. Il parle. Oh, bon, justement, c'est Madame Aubry. Alors, Madame Aubry, dis-nous, qui côté Aubry et Anissa pour Abbaye Jouette? Well, Anissa, Aubry, Wanamet. Oh, ok. Le fin de quartier Morin. Oui, oui, au Cap. Oui, l'Alba joue comme d'habitude. Ça fait 30 ans depuis qu'elle a fait ça. Nous souhaitons chance.
prier pour lui pendant que l'autre boit. Merci, mais... Mais, moi, j'ai eu une série de belles blagues à soi qui magnifique, qui fait mourir. Jusqu'à présent, m'a pris. Bon, je pense que c'est au bruit, ça m'a été cafouri, oui. Vous les cafouri, tout. Oui, oui, oui. Vous faites tout le monde, oui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci. Amis téléspectateurs, nous avec lead singer, ambiance créole jazz band, qui sont célébrés en tradition. Ça va le faire depuis combien d'années qu'on fait tradition, ça, dans le Cassa Champêtre? Bon, moi, à peu près 5 ans, je dis. Ouais. Depuis là, nous commençons à faire Christmas parties, yeah. À peu près. Donc, à soir, là, est-ce que c'était spécial pour vous? Comment était la soirée pour vous-même? De, en chanteur prospectif. Bon, même, Baba nous menti, je suis déjà ému parce que il y a plusieurs fêtes dans la zone. Il y a plusieurs fêtes de tous côtés, mais les gens pas nous, ils fait des déplacements, ou comme vous êtes, ou t'es témoin, nous fait des déplacements en foule. Donc, nous avons apprécié ça, nous avons vraiment ben arrivé à l'heure côté que nous avons a euphoria. On va prendre non-sens côté que tout le monde est venu et puis ça a été expect from Ambiance Creole là. I guess some of them y a la caillou avec that expectation. Bon, moi-même, je suis Ambiance Creole Jazz Band depuis quelques années. Je réalise que, et année ça, bon, nous sommes un monde qui est très proche de jazz, il faut me dire ça. Mais ça me réalise, oui, nous avons dit ça, mais jazz, et parce que jazz a déjà pour fête récemment, donc c'est mettre jazz nous. Mais pendant nous mettre jazz, je réalise que nous faisons des bagages que nous n'avons pas habitué à faire. Nous jouons musique Noël. Nous jouons musique compas direct, nous jouons musique espagnole, nous jouons musique en anglais, nous jouons musique slow. Et est-ce que c'est une stratégie? Bon, je me dis que pendant plus de 12 ans d'existence en ambiance créole, ça vient arriver, nous grandit, et puis c'est comme ça tout le catalogue nous a grandi, nous avons gagné plus. Malgré que nous avons une musique qui a différents langages, donc il y a un petit temps pour nous arranger, et puis pour moi-même pour me songer. Donc over the years playlist là, you know, it's getting bigger and it's gonna keep getting bigger. Chaque fois on vient là, on a toujours autant de bagages différents. Yeah. Bon, ma histoire a mentionné que c'est pas accident on vient chanter dans jazz là et ma histoire dit ça en public à soi. Là on t'ai parlé nous de histoire sorti dans conga pour arriver comme lead singer ambiance créole. Bon, moi même gardi de nature, c'est un tambourineur moi. Et c'est pas n'importe tambourineur, c'est un tambourineur qui fait séminaire, fait l'école tambour. Donc, je joue en pile différents rythmes, spécialement rythmes folkloriques haïtiens. Donc, je joue en pile folklore. Mais, je suis entré, je viens faire jouer la musique dans le compas. Et puis, tout le monde toujours dit, waouh, quand t'es tambourine, ça sorti, man. Mais, je me lève l'église, donc, chanter, c'est un bagage naturel pour moi. Maman m'a toujours fait chanter dans le choral. Mais, j'ai commencé à chanter, mais, je ne me suis mettre dans la tête qu'on joue devant jazz, je chanter. Et puis, le que ambiance qu'elle était toujours un grand chanteur, tout chanteur qui passe dans l'ambiance qu'elle, c'est bagage extraordinaire. Donc, je n'ai jamais osé pour me dire que je vais chanter devant jazz. Donc, je suis allé même, il connaît qu'on chante, il connaît qu'on fait choral, mais je suis venu, bon, après c'est ça quand même, je suis venu faire confiance pour le mettre devant Benin et puis c'est comme ça, tipa, nous là. Donc, même so far, vous s'en soit bien fait et vous avez un plan pour continuer bien fait pour l'année qui vient là? Ah oui. Nous avons un booking là pour l'autre 24 décembre next year. Yes. Nous avons 24 décembre, là, fin décembre, là, yo book li every single year. Donc, je suis grateful. Je dis grand maître merci parce que c'est une bonne opportunité. Parce que sous ces musiciens, c'est ça pour faire, oui. C'est jouer pour jouer. Donc nous avons un privilège pour l'ambiance qu'on joue chaque week-end. Depuis lundi, là, nous avons joué. Donc nous sommes vraiment fatigués à performer à ce soir. Mais ça qui vient arriver, l'un où nous avons fait des déplacements, nous prenons énergie. Vous comprenez? Donc, I draw their energy. C'est ça qui fait que nous avons pu chanter sans problème. Mais je suis fatigué en pile. Bon, je souhaite à ce soir, là, je m'apprécie font petit dormir. Ok, merci pour le moment et puis bonne chance avec l'ambiance qu'on joue. Merci en pile, WPTV, RPTV. C'est Zami Jazz là, Fami Jazz là, Med Jazz. Et m'a toujours, tout côté m'rivé, quel que soit qui m'rivé dans le monde, m'a toujours dit, premier monde qui te valorisé, qui te bon interview là, kay mwen, c'était Whoopi. M'a jamais oublié ça, Whoopi. Et merci, bon, j'ai toujours bon force pour faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que, ou c'est un bon, ou a toujours été bon. Thank you. You're welcome. Yeah, baby, well. I can't see.
Communauté haïtienne de New York, New Jersey, Connecticut, Philadelphie et l'autre côté, l'Organisation pour le développement de Petit Guave, ODPG, invité au Nayon Gala Fundraising pour la ville de Petit Guave, samedi 30 décembre 2023, de 9h du soir à 2h du matin, dans Leonard's Palazzo Banquet Center de New York, au rythme du groupe Class. Join us to this wonderful end of the year gala to have fun while contributing to the progress of the city of Tiguave in Haiti, the powerful band Placidis Baby will be performing live. Admission $175 par personne, cocktail hour 9h, 10h du soir, dancing class à 10h, 2h du matin, dîner complet inclus, unlimited soft drink and alcohol all night long. Samedi 30 décembre 2023, soirée de classe avec classe dans Leonard's Palazzo Banquet Center qui est dans 555 Norton Boulevard, Great Neck, New York. Pour tickets et réservations qui à l'avance seulement, relais 516-367-3111-201-936-56-28-917-853-37-46. Relais pour faire paiement par Zelle, Cachap ou bien l'autre méthode qui puis bon pour ODPG, l'Organisation pour le développement de la ville de Petit Guave. Comptez sous présence ou avec support ou samedi 30 décembre 2023 dans Leonard's Palazzo Banquet Center de New York avec classe. Maxi Sound Productions invite toute mélomanie vin fait main 2023 et l'ouvri 2024 là au rythme du compas. Dimanche 31 décembre, vin danser Zinglin. Belle fête, messieurs, dames, dans Los Cocos Restaurant de Port St. Lucie, Florida. Soirée de haute tension musicale avec Zinglin qui pral poté plaisir dimanche 31 décembre 2023 de 9h du soir jusqu'à X du matin dans 269 Southwest Port St. Lucie Boulevard dans Port St. Lucie, Florida, local Los Cocos Restaurant. De la bonne cuisine haïtienne au menu de cette soirée de bonne détente pour fermer 2023 et ouvrir 2024 en beauté. La mission, $50 l'avance, VIP $100, inclut votre bouteille de champagne. Ticket en vente à l'avance seulement, n'aurez les 305-895-8006 ou bien 772-905-8458. Bonne année 2024, vous souhaite Maxi Sound Productions. Roupi Video Production Services, paré pour le bord 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo.
2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Joudian, Rupi Video Productions, Caboy, un service 4x4 qui pape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation au pluriel. L'émission du jour, amis téléspectateurs, il vient en finissement pour jouer aujourd'hui les étoiles de la semaine. Nous espérons que nous arrivons sous vous, amis téléspectateurs, avec ça que nous avons dans l'émission jouer aujourd'hui. C'est la dernière émission pour l'année 2023. Nous espérons que pendant plusieurs vendredis, que nous avons l'opportunité de présenter l'émission ça, nous avons poté et pratiquement des informations, des images qui sont capables de tremper dans l'ambiance de ce qui a passé dans la communauté haïtienne, non, Haïti, coup de diaspora, puisque à travers l'émission ça, ça nous voulait faire, c'est poté pour vous des étoiles haïtiennes qui ont brillé dans tout domaine. Nous faisons différence entre étoiles, nous relais des étoiles brillantes, des mondes qui ont bien passé, nous relais des étoiles filantes, des mondes qui ont mal passé dans la communauté A. Nous relais des étoiles éteintes, des mondes qui malheureusement t'ont marqué nous dans la vie publique et qui pas là encore. Donc c'est pratiquement ces trois idées qui passaient à travers étoiles que nous gagnons dans l'émission ça, sans compter nous toucher trois aspects de la vie des Haïtiens, aspect politique là, aspect social là et puis tout aspect culturel là. Donc amis téléspectateurs, nous t'aimer prendre un moment ça, dit pas trop bonheur pour nous capable souhaiter une bonne et heureuse année 2024 puisque c'est la dernière émission pour l'année 2023. Nous espérons que ni moi ni vous n'a prêté en bonne santé, n'a prêté au service de la communauté et n'a bien opportunité pour nous capable faire ça qui est positif dans la vie nous. C'est un plaisir, amis téléspectateurs, pour nous te présenter cette dernière édition de l'émission Les Étoiles de la Semaine pour finissement année 2023. On casse rendez-vous vendredi prochain pour l'autre émission. Non pas Monsieur Roupi, bon week-end et bonne année. Yeah.
les vendredis soirs, 8h, sous Fort Diaspora TV, les étoiles de la semaine, portez lumière sous politiciens, leaders communautaires, artistes, à toute institution, au soir fait marquant de l'actualité en Haïti ou en diaspora. Les étoiles de la semaine, Chita sous trois roches du fait, politique, les points forts de l'actualité, sociale, activité qu'a brassé l'un parmi haïtiens, culturel, bonjour nouvelle sous Atissio. Chaque vendredi soir, 8h, gros écran, petit écran, branché au sous Fort Diaspora TV avec Roupi The Entertainer, les étoiles de la semaine, pour tes lumières.